Bonsoir YouTube, enfin plutôt bonjour, on est lundi 23 août, il est 9h40, je suis déjà réveillée depuis 8h30 etc. Mais je vous prends seulement maintenant parce que je suis posée. Ce matin j'ai fait des photos pour les derniers avis qu'il me restait, donc The Revenge Plane et Nevernight le tome 2. J'ai fait un nouveau style mais je suis pas encore hyper certaine de est-ce que ça me plaît ou pas parce que j'ai changé un peu la disposition, donc ça c'est cool, ça me plaît. Mais quand j'ai fait mes retouches un peu photo, j'ai mis un cadre et je suis pas sûre que le cadre me plaise. Donc j'attends un peu avant de poster et je verrai bien. Du coup, en attendant rien du tout, pour commencer ma journée, parce que je sais pas si vous savez, mais les lundis pour moi c'est toujours super compliqué. J'ai du mal à être hyper motivée et tout. Du coup, j'aime bien commencer mes journées tranquilles dans le lit avec la lecture. Et cette semaine, on commence avec Les Livres Maniaques, Le Dernier Magicien, le tome 1 de Lisa Maxwell. On doit lire à peu près 90 pages par jour pour avoir terminé dimanche, je crois. Donc voilà, je vais lire ces 90 pages pour le moment. Et je sais pas ce que je vais lire à côté parce que je ne me rappelle plus si avec Pauline on avait prévu une lecture commune cette semaine ou pas. Donc j'attends d'avoir des nouvelles de sa part avant de me décider à commencer un autre livre. De toute façon, aujourd'hui, clairement, ça va pas être trop lecture parce que bah, du coup, je dois travailler quand même. Et puis, j'ai le montage du vlog à faire pour demain. Même si je pense qu'il sera un petit peu plus court parce que du coup, lundi, j'ai pas filmé, mercredi non plus. Donc voilà, bref. C'est pour le programme de la journée et bah écoutez, je vous retrouve juste après avoir lu les 90 premières pages du Dernier Magicien pour vous dire ce que j'en pense, même si du coup ce sera que 90 pages, mais au moins vous aurez mes premiers avis. Sachez que hier soir, après Nevernight, quand je me suis couchée, j'étais tellement mal, vraiment je me suis dit mais jamais je réussirai à lire quelque chose, et en fait... Ça fait longtemps que j'ai plus lu sur ma liseuse et hier soir je voulais lire mais je savais pas quoi. Et finalement avec Nevernight etc, j'ai préféré ne pas lire. Parce que vraiment j'avais besoin de... Comment on dit ? D'accepter ce qui s'est passé dans le livre et cette fin. Voilà. Bref, je vous laisse. Je vous retrouve donc du coup juste après la lecture du Dernier Magicien pour vous donner mes premiers avis. Enfin mon premier avis et après on se retrouve plus tard. Hello, il va être 11h, je vous retrouve du coup parce que j'ai terminé la partie du jour du Dernier Magicien, donc on a lu 90 pages, et écoutez, j'ai pas grand chose à dire évidemment vu que c'est 90 pages, mais sachez que j'aime beaucoup pour le moment, je trouve que c'est assez mystérieux, on est directement mis dans l'ambiance et on est sur une histoire de magie, hein, forcément le titre Le Dernier Magicien, mais on est sur une histoire de magie avec des personnages qui retournent dans le passé pour voler des choses. On est sur une histoire aussi où les magiciens sont brimés par un ordre. Et en fait, ils vont essayer... Enfin, notre héroïne qui s'appelle Esta va devoir retourner dans le passé pour retrouver un objet très particulier qui va peut-être permettre d'enlever ce pouvoir que l'ordre a sur les mages et donc refaire revivre un peu les mages en gros. C'est un peu voilà. Donc on va suivre je suppose un groupe de magiciens qui vont aller voler cet objet. Esta va en faire partie dans le passé et donc écoutez, c'est super cool, c'est hyper intriguant, hyper mystérieux et je pense que ça peut vraiment beaucoup me plaire parce que j'aime vraiment bien les histoires de magie et les histoires un peu du style de Six of Crows, vous savez, avec un groupe un peu de pas forcément de malfrats mais un groupe qui font des plans pour voler des choses etc. Enfin, j'aime bien ce genre d'histoire, donc écoutez, j'ai très hâte de voir la suite. Le livre, il est quand même gros, il fait près de 650 pages, mais voilà, en lisant 90 pages par jour, normalement, on devrait l'avoir terminé pour dimanche. J'avoue que moi, j'aimerais bien le terminer pour vendredi, parce que ce week-end, je serai pas du tout là. Je suis invitée à un mariage, donc... On sait quand on y va, mais on sait pas quand on revient. Donc clairement, ce week-end, je veux pas avoir de lecture en cours parce que, même si je reviens, je serai crevée dans tous les cas. Donc voilà, je voudrais l'avoir terminé pour vendredi. Et du coup, je vous montre la lecture en parallèle que je vais faire parce que effectivement, avec Pauline, on avait prévu des lectures communes. Je sais pas pourquoi j'avais oublié. Et on voulait terminer la trilogie des Brumes de Cendre Lune.
de Georgia Caldera. On avait lu le tome 1 aussi en lecture commune avec les Livromaniacs et franchement, j'avais bien aimé. Ça cassait pas trois pattes à un canard, mais c'était vraiment agréable. Ça se lisait super vite et c'était très mystérieux et j'aimais bien cette ambiance un peu steampunk. Et donc, bah écoutez, on s'est dit qu'on allait peut-être essayer de lire les deux derniers tomes, enfin le tome 2 et le tome 3, quoi, cette semaine. En soi, il y a grave moyen parce qu'ils font 400 pages tous les deux, mais c'est 400 pages pour le 2 et 340 pour le 3. Donc, c'est pas énorme et surtout, bah, ça se lit très très vite. Enfin, je veux dire, c'est pas une histoire hyper compliquée, c'est pas une histoire qui demande beaucoup de concentration, donc voilà, je pense que ça peut se lire rapidement en une semaine, et j'ai très très hâte de me replonger dedans, et de voir ce que ça va donner, parce que j'avais bien aimé le tome 1, et à chaque fois que j'ai vu des avis, ou que j'en ai parlé avec des gens de la suite de cette trilogie, donc du tome 2 et du tome 3, et ben on m'a dit que c'était de mieux en mieux, donc j'ai vraiment hâte. Voilà, là je vais aller du coup commencer à travailler, faire le montage, tout ça, et je vous retrouve plus tard. On est toujours lundi, il est 22h40 et je vous retrouve vite fait. Je vous retrouve un peu tard parce que du coup j'ai été occupée toute la journée, j'ai travaillé, j'ai monté le vlog qui sortira demain. Il me restera plus à l'uploader sur YouTube, faire la miniature, la description, tout ça, mais bon ça va vite. Donc bref, et puis j'ai lu un petit peu. Donc j'ai commencé, comme prévu, Les Brumes de Cendre Lune, le tome 2. Aujourd'hui, avec Pauline, on devait lire jusqu'au chapitre 17, c'est-à-dire 140 pages. J'en suis au chapitre 13, 100 pages, pile, je viens de les atteindre. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai trop du mal à me plonger dans ce livre. Alors je sais pas si c'est le livre qui n'arrive pas à m'intéresser pour le moment, ou si c'est juste moi qui n'ai pas la tête pour le moment à lire, je sais pas du tout. Mais j'arrête pas d'arrêter de lire, de faire autre chose, et des choses nulles, enfin pas nulles, mais genre qui servent à rien, quoi. Des choses qui sont même pas utiles, genre j'ai commencé à jouer à un jeu sur mon téléphone, j'ai commencé à regarder des vlogs comme ça, j'ai commencé à regarder des tablettes de cours, j'ai commencé à regarder des formations en ligne, enfin bref, vous voyez vraiment le jour, le truc que je suis pas obligée de faire à 22h, quoi. Et j'arrive pas à me mettre dedans. Du coup, je sais vraiment pas si c'est... je sais pas si c'est à cause du livre ou si c'est moi qui ai la tête pas assez concentrée pour le moment. Je vais quand même forcer le truc pour arriver jusqu'au chapitre 17, du coup, comme prévu. Et on verra demain. Mais c'est vrai que là, c'est pénible parce que du coup même quand je lis je suis pas concentrée, donc je comprends, enfin si je comprends ce que je lis, hein, je veux dire, mais je suis pas concentrée, quoi. Du coup pendant que je lis il y a mon esprit qui divague et qui pense à autre chose, donc vraiment je sais pas. J'ai pas eu ça ce matin avec Le Dernier Magicien, mais ce matin je l'ai lu juste en me levant, donc j'avais pas encore la tête vraiment prise par la journée, etc. Donc je sais pas. Je sais pas, écoutez, on verra, parce que franchement, le tome 1, j'avais bien aimé, et donc c'est un peu perturbant, quoi, mais bon. Je verrai bien demain, enfin là, je vais du coup terminer la partie du jour, et je vous retrouve demain pour la suite de mes aventures. Hello, on est mardi 24 août, et il va être 19h, je vous retrouve assez tard aujourd'hui, parce que j'ai clairement pas eu le temps de vous prendre avant, voilà. J'ai pas eu le temps de lire encore, donc je peux pas vous faire d'update lecture. Juste, je vais vous montrer encore, regardez-moi ça, elle l'a bouffé devant moi. Elle m'énerve, j'arrive pas à lui faire comprendre qu'elle ne doit pas bouffer mes livres, c'est insupportable. Enfin bref, je vous retrouve du coup assez tard, comme je vous le dis, parce que j'ai pas du tout eu le temps de vous prendre. De toute façon, comme je disais aussi, j'ai pas eu le temps de lire aujourd'hui, donc j'avais pas de raison de vous prendre en soi. Mais je viens à l'instant parce que cet après-midi... Je suis allée faire les boutiques parce que samedi, je suis invitée à un mariage et je devais trouver une tenue. Et comme je déteste faire les magasins de vêtements, vraiment, c'est un calvaire pour moi, on va pas se mentir. Je me suis fait plaisir, évidemment, en allant acheter des livres. Écoutez, on a que le plaisir qu'on se donne. On a que le bien qu'on se fait, voilà. Et donc du coup, j'ai acheté clairement 5 livres, que du neuf, pour le coup.
Mais je suis plutôt contente et on va commencer tout de suite par des tomes de... En fait, je partais pas avec une idée bien précise de ce que je voulais acheter, je voulais voir et puis pourquoi pas craquer. Et du coup, il y a la semaine passée, j'ai acheté le tome 1 de La guerre du Lotus de G. Christophe. Et dans le magasin où j'ai été, bah, il y avait le tome 2. Du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, autant l'acheter. Comme ça, j'aurai les deux tomes. Et je crois que le tome 3 sort très très bientôt. Donc, comme ça, je pourrai acheter la trilogie. J'adore les éditions Big Bang. C'est tellement mou, fluide, que c'est super agréable à lire. C'est les mêmes éditions pour... Enfin, c'est une filière de Bragelonne, édition Castlemore Big Bang, enfin bref, je sais pas exactement, mais c'est Bragelonne, Castlemore, enfin bref. Et c'est la même édition que Sorcery of Thorn. Voilà, et que l'Empire d'écume. Et j'aime beaucoup, enfin j'ai aimé ces deux livres, et donc voilà, et comme j'aime beaucoup J. Christophe, de Nevernight, Illuminae, Aurora Squad, je me suis dit que de toute façon, ça pouvait être que un combo gagnant, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas très peur. Je trouve que les couvertures sont vraiment super belles en plus. Donc voilà, j'ai très hâte de lire le tome 1 et de voir si ça me plaît, mais je pense que... Mais regardez-moi comme c'est mou. Donc je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Voilà. Et du coup, le deuxième tome 2 que j'ai acheté. J'ai acheté le tome 2 du Dernier Magicien de chez édité chez Casterman de Lisa Maxwell. Et bah là, clairement, c'est aussi parce que, comme vous le savez, j'ai commencé la lecture commune du tome 1 hier, et les 90 premières pages m'ont beaucoup plu, donc je me suis dit, bon bah, go acheter le tome 2, il est là. C'est clairement un pari risqué, parce que c'est pas avec 90 pages qu'on peut décider de si oui ou non on aime un livre, mais écoutez, j'aime vivre dangereusement, j'aime prendre des risques, donc voilà. Et ensuite, les trois derniers livres que j'ai achetés, c'est des poches, clairement par hasard, juste parce qu'ils me faisaient envie. Alors, celui-ci, il est assez connu, donc c'est La goûteuse d'Hitler de Rosella Postorino, chez le livre de poche, donc oui, il est assez connu. Je pense que, bah, même si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez le connaître de vue ou en avoir entendu parler. Et écoutez, il me faisait vraiment envie aussi parce que bah, ça a l'air assez intéressant. Et je pense, je me demande si c'est basé sur une histoire vraie, je pense que oui. Mais je suis pas sûre. C'est pas précisé. Je vais pas dire de bêtises, donc on va dire que non, mais ça a l'air intéressant. Donc, ah si, je suis bête, c'est noté. Inspiré de l'histoire vraie de Margot Walk. Donc voilà, ça a l'air intéressant, ça a l'air très... très intéressant, très intéressant, mais... Je suis fatiguée. Vous voyez l'état dans lequel je suis après avoir fait les magasins de vêtements. Je suis pas comme ça après avoir acheté des livres, mais bon bref. Donc je suis très contente, c'est un petit livre, je pense qu'il va se lire très rapidement. Et voilà, ça complète ma collection des livres sur le thème de la guerre 40-45. Et il me faisait grave envie, donc j'ai plongé dedans. Et ensuite, je me suis pris deux petits thrillers de chez Pocket. Alors celui-ci, 7 mensonges de Elisabeth Kay, qui a été lu par une de mes amies, donc Audrey Bookish Disorder, celle avec qui j'ai lu Troupe 52, qui avait adoré ce livre. Elle me disait que c'était pas une intrigue incroyable, enfin que c'était pas l'histoire du siècle, mais que c'était bien écrit, enfin je sais plus. En tout cas, elle disait que c'était pas non plus l'intrigue la plus incroyable du monde, mais qu'elle avait bien kiffé. Donc, bah écoutez, on verra, ça parle de mensonges, de drames, de famille, secrets, etc. Donc... je pense que ça peut le faire, un petit thriller comme ça, tranquille, c'est toujours agréable. Et le dernier, donc toujours chez Pocket, c'est le 7e fléau de James Rollins. J'espère que c'est un tome 1, ou en tout cas un tome indépendant, faudrait que je vérifie. J'ai un peu peur maintenant, bref. Mais ça parle d'un archéologue disparu qui ressurgit après 2 ans au milieu du désert, agonisant, le corps partiellement momifié. On parle de virus inconnu et on nous parle de Deep Play d'Égypte, une enquête, etc. Un danger capable de décimer l'humanité entière. Écoutez, hein, voilà, tout ce que j'aime. Donc, bah, pareil, j'ai hâte et on verra ce que ça donne. Donc, voilà pour mon butin de la journée. Là, je vais me poser, je vais aller lire les parties du jour de Brume de Cendre Lune et du Dernier Magicien. Et je vous retrouve du coup quand j'aurai lu. Mais je suis plutôt contente de mes achats. Voilà.
Ça a été une journée longue, mais je suis contente parce que j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait pour le mariage, des vêtements que dans lesquels je suis bien, et ça c'est pas toujours facile à trouver pour moi. Voilà. Ouais, j'ai un rapport très particulier avec mon corps et mes vêtements parce que je ne m'accepte pas comme je suis, d'où le fait que j'ai repris le sport, etc. Enfin bref, et du coup c'est toujours une plaie pour moi de m'habiller parce que j'ai l'impression que rien ne me va, voilà. Bref, mais ça je pense que c'est le quotidien de beaucoup de personnes. Sur ce, moi je suis bien avec mes livres. Bref, je suis contente des livres que j'ai trouvés, des petits thrillers. En plus on arrive à la période d'automne et du coup ça va être clairement la période pour lire ce genre de choses, les petits tomes 2, etc. Bref. Sur ce, je vous laisse, je vais aller lire un petit peu. Hello, on est mercredi 25 août, il est 9h, je vous retrouve tôt aujourd'hui. Hier, mon dieu les gars, mais je vais vous dire ce qui s'est passé. Je devais lire, bien sûr, et je me suis perdue sur TikTok. Genre, en fait, j'ai jamais installé l'application sur mon téléphone. Je me suis jamais fait compte parce que ça m'intéresse pas du tout. Mais en fait, je me suis rendu compte, je sais pas, j'ai commencé à regarder des vidéos et puis des TikTok. Et en fait, sur le PC, on sait regarder des TikTok sans avoir de compte. J'ai passé ma soirée à regarder des TikTok. Et ouais, c'est incroyable! Et c'est pour ça que du coup, je me suis rendu compte que effectivement, je ne devais jamais installer ce truc sur mon téléphone. C'est tellement chronophage et en plus, c'est nul. Enfin, c'est nul. J'aime pas. Bref, du coup, j'ai passé ma soirée à ça et j'ai pas lu une page hier. Incroyable. Ah ouais, incroyable. Du coup, aujourd'hui, je vais devoir rattraper mon retard dans Les Brumes et Le Dernier Magicien. Surtout qu'aujourd'hui, techniquement, on est censé terminer Les Brumes. Donc, voilà. Et je vais avancer dans Le Dernier Magicien aussi. Et aujourd'hui, je vais tourner des vidéos. Je suis encore en hésitation de est-ce que je fais le Pumpkin Autumn Challenge ou pas. En vrai, l'année passée, je l'avais fait, j'avais bien aimé. Mais cette année, je sais pas pourquoi j'ai eu un peu plus de... En fait, j'ai fait ma pile à lire, mais je sais pas pourquoi je suis pas hyper motivée à le faire. Ça arrive, hein, mais voilà, je sais pas. Du coup, j'hésite, donc je suis très très contente. Comment vous expliquer ça? En gros, il y a une maison d'édition que j'aime vraiment beaucoup pour le travail éditorial qu'ils font autour de leurs livres. J'ai du mal à parler. Qui sont magnifiques. J'ai deux livres de chez eux que je n'ai pas encore lus. Mais voilà, je me suis fort intéressée à ce qu'ils font. Et de ce que j'ai vu sur... en fait, il y a plein de livres qui m'intéressent de fou parce que c'est clairement ce que j'aime. La lecture de l'imaginaire, que ce soit science-fiction, fantasy, fantastique et tout. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient partenaires entre guillemets avec eux. C'est, enfin, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Je sais pas si c'est vraiment du partenariat, mais bon, bref, en tout cas, ils ont la chance de recevoir des livres de cette maison d'édition, de les chroniquer, etc. En fait, j'ai décidé d'un peu la jouer au culot, on va dire entre guillemets, et de demander si c'était possible d'avoir un partenariat avec cette maison d'édition. C'est pas vraiment un partenariat dans le sens où je vais pas recevoir des livres tous les mois de cette maison d'édition là, mais en gros dès qu'il y a un livre qui me plaît, qui m'intéresse, je le demande, enfin je peux le demander et dans la limite du raisonnable bien sûr et dans la limite des stocks, je peux les recevoir. Bref. Et donc là j'ai joué au culot pour la première fois. Et j'ai demandé deux livres de cette maison d'édition, en me disant, j'ai pas demandé deux livres, j'ai dit qu'il y en avait deux qui m'intéressaient beaucoup, en me disant, en fonction des stocks ou quoi, j'en aurai au moins un. Enfin, moi je m'attendais à en avoir qu'un, quoi. Et finalement j'ai reçu une réponse qui disait, ça va, on vous envoie les deux. Donc moi évidemment je suis trop contente. Et du coup, j'ai reçu, je vais vous dire la maison d'édition, c'est donc Albin Michel Imaginaire, et je suis juste... trop contente. Donc bah écoutez, on va ouvrir le colis. En plus il est arrivé hyper vite parce que du coup j'ai fait la demande vendredi, ils m'ont dit qu'ils l'envoyaient ce lundi et on est mercredi, je l'ai déjà. Petite pause de temps d'ouvrir le colis. Mais les gars, il y a plusieurs livres. J'en ai demandé que deux, il y en a quatre. J'ai envie de pleurer tellement je suis contente, c'est con, je suis trop émotive pour des conneries, mais
Ça, c'est le problème. Quand j'ai des émotions trop fortes, que ce soit positif ou négatif, ben je pleure. Là, c'est du positif. Mais c'est trop con. Un petit marque-page. Mais là, je suis choquée parce qu'il y a 4 livres. Il y a 4 livres. pardon. Donc, le premier, un petit livre. Oh, il y a encore un marque-page. Bon. Alors, le premier que j'ai sorti, c'est celui-ci. Donc, c'est Guide des genres et sous-genres de l'imaginaire de Apophis. Oh, ça a l'air tellement intéressant. Donc, vous ignorez la différence entre un planète opéra et un space opéra. Vous avez quelques difficultés à distinguer un livre steampunk d'une gaslamp fantasy. Si on vous dit diesel punk, vous pensez science-fiction, anti-écologique, peut-être pas de panique. Aucun genre ou sous-genre de l'imaginaire n'échappe à l'œil d'Apophis, votre guide dans cette terrifiante et merveilleuse contrée. Oh, c'est trop bien! Donc, déjà, il est super beau. Franchement, il est vraiment super beau. Et donc, du coup, c'est un guide pour comprendre un peu les sous-genres de la fantasy, enfin de l'imaginaire en général. C'est super cool. Ça, franchement, les gars, je suis super contente parce que du coup, bah, j'adore. C'est hyper intéressant. Moi qui adore ces sous-genres, etc., bah, nickel. Et en plus, bah, je me dis, en tant que bibliothécaire, c'est super intéressant. Ensuite. Ça, c'est un que j'avais demandé. Du coup, j'avais demandé La Marche du Levant de Léa Farr Izen. Il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Et il a l'air tellement bien. Et j'ai entendu des avis hyper positifs dessus. Donc, je suis super contente. Mais regardez-moi ça. Je vais me faire une joie de les lire. Ensuite, on a. Bah, du coup, ça, c'est le deuxième que j'avais demandé. Gnomon. Je sais pas comment on dit. Le tome 1 de Nick Arcaway. Donc, ça, c'est plus de la science-fiction. Il est trop beau aussi. Bon, ça, par contre. J'enlève parce que j'aime pas les trucs. Il est vraiment super beau. C'est incroyable. Regardez-moi ça. J'ai trop trop hâte de me plonger. Et le dernier, je sais pas. Ils m'ont envoyé le tome 2. Mais c'est des fous. C'est des fous chez Albin Michel. Là, j'ai l'impression d'être à Noël. Et voilà pour mes petite réception. Je suis tellement heureuse. Vraiment, vous pouvez pas imaginer. Enfin, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'en ai marre, je pleure pour rien. Bref, bah écoutez, je suis super contente. Non mais en vrai, j'avais que demandé deux et je m'attendais déjà à en avoir qu'un seul, mais là, ils sont super généreux quoi. C'est pas possible d'être comme ça. C'est super sympa, c'est super gentil et bah écoutez. Oh, je suis trop contente. Bon bah voilà, du coup, écoutez, là, je vais y retourner. À mes occupations, je vais faire un post, enfin une story Insta pour remercier Albin Michel Imaginaire. Et voilà, je vous retrouve plus tard. Je viens de tourner une vidéo qui était un book haul. Voilà, et maintenant, il faut tout ranger. Ah, on est toujours mercredi, il est 16h40, un truc comme ça. J'ai terminé de filmer mes vidéos, finalement j'en ai filmé 3. Donc il y a l'update, la première partie de l'update du mois d'août, ma pile à lire pour le challenge des livromaniacs et un book haul énorme qui reprend juin, juillet, août. Voilà, il est énorme ce book haul. Je sais pas trop dans quel sens je vais les publier. Je pensais faire. Je réfléchis, j'ai sorti quoi? Un update la semaine passée. Du coup, je pensais faire book haul, challenge, update. Ça peut le faire comme ça. Et je voulais aussi tourner du coup ma palle du pumpkin, mais finalement, je pense que je vais pas le faire. Je suis encore en pleine réflexion. Donc, de toute façon, si je le fais, je le commence que en octobre, donc pour 2 mois, étant donné que j'ai le challenge des livromaniacs et que j'ai envie d'être focus sur ce challenge-là et pas faire les deux en même temps. Donc, dans tous les cas, si je me décide de le faire, je pourrais toujours sortir la vidéo pour le 1er octobre. Donc, j'ai encore le temps de me décider. Mais en fait, j'hésite parce que je trouve qu'il y a une énorme hype autour. Mais je crois que je vous en ai parlé ce matin. Je sais plus. Bref, je trouve qu'il y a une énorme hype autour et je sais pas, il y a des catégories qui m'inspirent pas trop. Et du coup, j'avais envie de me faire un challenge perso. Et je voulais aussi vous tourner ma pile à lire de l'enfer. Mais je me dis que c'est pas une vidéo qui pour. Enfin, je sais pas si elle pourrait être intéressante ou pas. Parce que moi, j'aime bien les. Voilà. Moi, j'aime bien les vidéos pile à lire. Je sais pas si celle-là, elle pourrait vous intéresser.
Du coup, je me la garde en réserve. De toute façon, c'est une vidéo qui va se tourner vite parce que c'est juste une pile à lire à vous présenter. Donc voilà. Et donc, je la garde en réserve si un jour j'ai pas de vidéo, d'idée de vidéo, on va dire. Donc voilà, je sais pas trop si je fais le pumpkin ou pas. Dites-moi si vous le faites, vous. Et si vous le faites. Enfin, pourquoi vous le faites et pourquoi vous le faites pas? J'aimerais bien savoir. Peut-être que ça va me motiver. Sur ce, je vais aller lire là, du coup, la fin du tome 2 des Brumes. Et je viendrai vous en parler parce que j'ai des choses à dire. Voilà, je vais pas vous en parler tout de suite. Je vais attendre d'avoir terminé. Purée, mais je me suis fait piquer ou quoi? Ça me gratte. Donc je disais que j'ai des choses à dire sur ce livre. Je vais pas vous en parler tout de suite. Je vais attendre de l'avoir terminé pour vous faire un avis global de ma lecture. Mais petit teasing, c'est pas ouf. Je vous retrouve tantôt. Est-ce que ça se voit que j'ai encore lâché mes petites larmes devant le film? Bref, on va rester avec cette tête. Hein. Oh, mais en plus, je vous ai même pas fait mon avis sur les Brumes. Et j'ai déjà rangé les livres. Du coup, on va faire ça dans l'ordre. Alors, du coup, j'ai allumé la lumière. Ça y est, j'ai déranché le petit chat qui est parti se coucher sur le sol comme une malheureuse en miaulant très fort. Alors, première chose, je vais faire un update du coup de Brume de Cendrelune. Enfin, mon avis, parce que je l'ai terminé. Et du tome 2. Et après, je vous ferai mon avis sur le film. Voilà. Alors, pour le livre, je vous mets l'image ici, étant donné que je l'ai déjà rangé et que là, j'ai la flemme d'aller le chercher. Donc, c'était le tome 2 des Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera. J'avais lu le tome 1 au mois de mars, en lecture commune avec les livres Mania, que j'avais plutôt bien aimé, de ce que je me souviens. C'était pas une histoire sensationnelle, ça cassait pas trois pattes à un cochon, mais j'avais plutôt bien accroché, c'était surtout très mystérieux en fait, et très intriguant, et comme c'était un tome 1, ben ça m'a plu, parce que ça se terminait d'une façon très très cliffhanger, et donc j'avais très envie de lire la suite pour voir ce que ça allait donner, et tout et tout. Ce que j'ai fait, du coup j'ai acheté le tome 2 et le tome 3, parce que vu que le tome 1 ça partait bien, je voyais pas le problème à acheter les deux tomes, parce que je m'étais dit, enfin c'est toujours le risque, vous savez, j'essaye de couvrir mes pieds, parce que je déteste avoir les pieds découverts. C'est toujours le risque hein, quand c'est des trilogies, est-ce qu'on achète toute la suite directe ou pas, parce que si on aime bien, on a envie de savoir tout de suite la suite, mais si on n'aime pas, c'est la merde. Bref, du coup j'ai acheté les deux derniers tomes, enfin le tome 2 et le tome 3. Et du coup, cette semaine, avec Pauline, on s'était dit qu'on allait enchaîner la trilogie, comme ça, on l'aura terminée et tout. Je vous remets tout dans le contexte. Hein. Elle est trop mignonne, elle fait des petits roulis-boulis. Trop chou. Oui, t'es belle! Du coup, on a commencé le tome 1 ce lundi, on devait le terminer aujourd'hui, comme prévu, pour commencer le tome 2 demain et le terminer vendredi. On a commencé du coup le tome 2 ce lundi, on devait le terminer aujourd'hui comme prévu, et commencer le tome 3 demain pour le terminer vendredi, comme ça on les aurait lus sur la semaine, ce qui était tout à fait faisable étant donné que l'un faisait 400 pages et l'autre en faisait 300. Par où commencer? Je l'avais lu en mars le tome 1, donc je me souvenais encore relativement bien de ce qui se passait dans le livre, surtout que finalement c'est pas non plus... Enfin, c'était pas trop compliqué non plus. Il y avait peut-être deux, trois petites choses qui m'échappaient, mais en soi, voilà, c'est vite revenu, etc. Sauf que, en fait, j'ai pas du tout aimé. Voilà. Ce que je déplore dans ce livre, c'est que, en fait, il y a aucune réponse. Il y a aux questions que l'autrice pose dans le tome 1, il y a aucune réponse. Et il y a des nouvelles intrigues qui s'installent dans le tome 2. Mais en fait, c'est un tome dans le vent pour moi, parce que on a rien pour stimuler le lecteur. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais en gros, il y a trop de suspense. Et du coup, on a l'impression que ça n'avance pas, parce que dans ce tome-là, on attend des réponses à certaines questions qui se sont posées au tome 1. On attend des choses, et on les a pas. Je suppose qu'elles seront là dans le tome 3. Mais c'est trop long, en fait, parce que du coup, ça, on perd tout l'intérêt. Et en fait, le truc, c'est que il y a un moment donné où je ne comprenais plus rien. Il y avait des comportements, il y avait certains comportements de personnages que je comprends pas. Il y a certaines intrigues que je ne comprends pas.
Mais tout ça parce qu'il manque des éléments de réponse, en fait. Et du coup, oui, on les a dans le tome 3, sûrement, mais en attendant, bah, le tome 2, pour moi, il était incompréhensible parce qu'il y avait beaucoup trop d'éléments sans réponse. Et du coup, il y avait beaucoup trop d'éléments sans réponse qui se rajoutaient, qui se rajoutaient, qui se rajoutaient. Rien n'était réglé. Et donc, bah, on arrive à la fin du livre, on se dit, mais en fait, j'ai rien compris à ce qui s'est passé, quoi. Et c'était un peu bizarre. Enfin, le dosage des révélations et des nouvelles intrigues, c'était un peu bizarre, je trouve. Et finalement, moi, ça m'a carrément saoulée. J'ai même pas envie de lire le tome 3 pour vous dire. Donc, je pense. Non, mais ça va aller. Elle vient de me sauter dessus, quoi. Du coup, je disais que j'avais pas forcément envie de lire le tome 3. Je vais quand même garder les livres avant de me dire de les revendre et on verra si j'ai le courage de le lire plus tard, mais je vais pas l'enchaîner, ça c'est sûr. Parce que là, vraiment, le tome 2, il m'a saoulée, mais d'une force. Vraiment. Voilà. Donc, je vais pas dire. Enfin, je vais pas en parler plus parce que ça sert à rien de démonter un livre comme ça. Juste, ça m'a saoulé. Voilà, donc vraiment dommage parce que le tome 1, je l'avais plutôt bien apprécié. Mais sur ce, maintenant le film. Écoutez, c'est un film, du coup, je suppose que vous connaissez The Greatest Showman, avec mon bel accent anglais. Je sais pas qui est le réalisateur, j'aurais dû regarder. Bref, mais du coup, il y a Hugh Jackman, Zac Efron, Zendaya. Comment elle s'appelle, la femme? Il y a quand même pas mal d'acteurs connus, mais moi, les noms d'acteurs, c'est pas ça, bref. Et du coup, bah, je sais pas, j'ai eu envie de le regarder, là. Ça fait très longtemps, en plus, que j'ai pas regardé de film ou de série. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube, mais vraiment, de film ou de série, ça fait très très longtemps. Je passe plus mon temps à lire que regarder la télé. Et là, je sais pas, j'ai envie de me poser, regarder le film. Surtout que, enfin, voilà, les musiques, je les ai déjà entendues. J'ai déjà vu les clips sur YouTube, mais forcément, j'avais pas le contexte. Et j'adore les musiques, je les trouve vraiment trop bien. Donc voilà, j'ai regardé le film. Bah écoutez, j'ai beaucoup aimé. Les musiques sont juste géniales, quoi. J'ai lâché ma petite larme pour certaines, parce que c'était, y en a qui, enfin, y en a beaucoup qui sont quand même émouvantes. Et puis, même pas que c'est triste, c'est juste que bah, ça prend aux tripes, quoi. Ils chantent tous tellement bien, et puis les musiques sont tellement entraînantes, et c'est beau comme film, enfin, je sais pas. Ça fait un peu rêver, quoi. Et du coup, voilà, j'ai bien aimé. Je suis pas très forte pour les critiques de films, donc, je peux pas trop vous en dire, mais je l'ai trouvé très très beau visuellement. Comme je disais, les musiques, je crois que c'est vraiment le point fort. Les acteurs, ben, ils jouent super bien. Enfin, Hugh Jackman, moi je suis hyper fan. Ça m'a fait bizarre de voir Zac Efron dans un film comme ça, parce que la dernière fois que je l'ai vu dans un film, c'était High School Musical. Du coup, et Zendaya, là, quand je l'ai vu la dernière fois, c'était un truc sur Disney Channel. Comment ça s'appelait? Check It Up, je crois que c'était ça. Et donc, ils étaient petits, quoi. Et là, non, mais je sais pas, c'était vraiment bien, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, c'est basé sur une histoire. Enfin, c'est pas. Ouais, c'est inspiré de la vie de Barnum, enfin, le gars que Hugh Jackman joue, qui était vraiment un homme d'affaires qui a créé le cirque. Après, on va pas se mentir, hein, dans le film, c'est quand même vraiment très bon enfant, familial, etc. Surtout vers la fin, à mon avis, que le gars dans la vraie vie, il n'était pas aussi bienveillant avec. Avant d'être interrompu par le petit bébé qui monte sur la table alors qu'elle sait qu'elle peut pas, je disais que dans le film c'était quand même assez bienveillant, surtout vers la fin. Enfin, je veux dire, ils sont en mode ouh, on est une famille et tout, on s'accepte malgré nos différences et tout, ce qui est super bien. Et en soi, c'est un super beau message et c'est la vérité, c'est ce qu'il faut. Mais je suis pas sûre que à l'époque, le vrai gars qui a créé le cirque et les freak shows était aussi bienveillant avec ses acteurs, enfin ses employés, on va dire, voire même s'il les payait, quoi. Et du coup, pour le coup, c'est peut-être pas hyper représentatif de ce qu'était vraiment le premier cirque créé par cet homme, les freak shows et tout. Donc les freak shows et tout, mais en soi c'était un bon film, et puis voilà, mais c'était une version, enfin je pense que c'est quand même très très édulcoré par rapport à la vérité. Du coup, je suis toujours dans le dernier magicien, pardon, de Lisa Maxwell. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté un D. Bah, je vais tout vous dire, en fait, j'ai pas avancé depuis lundi, quoi. Donc j'ai la partie d'hier à rattraper, plus à lire la partie d'aujourd'hui, donc je pense que je vais faire ça maintenant, que je suis débarrassée entre guillemets des brumes.
Et en fait, il faudrait que je le termine pour vendredi parce que, comme je vous ai dit, samedi, je suis pas du tout. Enfin, comme je vous ai dit, ce week-end, ça allait être compliqué. Et enfin, ça va être compliqué pour moi de lire. Du coup, il faudrait vraiment que je le termine pour vendredi. Donc, en fait, je me dis que je lirai bien la partie d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ça me fait 270 pages à peu près pour aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a moyen. Après, enfin, ça se lit quand même bien. Donc, tranquille. Et comme ça, demain, il me restera. Il me restera 180 pages, je pense, à peu près, environ. Et du coup, en parallèle, je pense que je vais commencer celui-ci, si je sais le commencer. Mais c'est clairement pas la priorité. Donc, c'est 7 mensonges de Elisabeth Kay, celui que j'ai acheté hier. Et en fait, je vais le commencer parce que, du coup, je vous disais, Audrey de Bookish Disorder sur Instagram l'a lu récemment. Et elle m'a dit, enfin, elle m'a demandé de le lire rapidement pour qu'on puisse en discuter et en profiter qu'elle se rappelle encore de ce qui s'est passé dedans. Donc du coup je vais le lire maintenant, comme ça ce sera fait, et puis je sais pas, j'avais envie d'un thriller, là ça fait quand même un moment que j'en ai pas lu. Enfin non, en fait je dis ça, mais j'ai lu Troupe 52, mais c'était pas vraiment un thriller. Donc voilà, priorité c'est surtout Le Dernier Magicien, et après on verra pour 7 mensonges quoi. Je vous laisse, et je vous retrouve du coup tout à l'heure pour mon avis de Dernier Magicien. J'espère vraiment que ça va aller, parce que donc je le lis en lecture commune avec les Livromaniacs, et de ce que je vois sur les discussions... bah, elles n'ont pas spoilé et tout, mais elles donnent juste leur avis, et j'avoue que pour le coup ça a pas l'air d'être de très très... Enfin, en fait elles sont un peu mitigées et je suis un peu perplexe et inquiète parce que j'ai quand même acheté le tome 2. Donc j'en ai marre de moi. Donc voilà, je vais faire mon propre avis, je vais lire ça et je vous retrouve tout à l'heure. Hello, on est jeudi 26 août et il va être 10h, je suis déjà levée depuis 8h du matin parce que Zozo avait très très envie de faire des gros câlins. Donc elle m'a réveillée, bref. J'ai travaillé, j'ai bu mon petit café, j'ai regardé une petite vidéo, bref. Et je vous prends maintenant parce que je vais vous expliquer quelque chose. Alors, comme vous le savez, je suis donc en lecture commune pour Le Dernier Magicien, mais je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup, hein. Enfin, j'aime beaucoup. J'ai lu que... En fait, j'ai lu que 90 pages. J'ai pas avancé depuis lundi. C'est un peu la loose, cette lecture commune pour le moment. Si, j'ai quand même lu 2 chapitres hier. Wouhou. Donc, je suis à la page 97. Wouhou. Et je pense que je vais pas forcer, parce que je sais pas pourquoi j'arrive pas à me mettre dedans. Pourtant, j'aime beaucoup ce que je lis, en tout cas pour le moment. Mais je pense que de voir les commentaires des autres en disant que c'est long, ou qu'elles sont pas hyper emballées ou quoi, ça me donne pas spécialement envie de lire. Et déjà que j'ai pris du retard, bah clairement ça me donne plus envie de le lire. Alors que j'ai envie dans un sens. Mais ouais, je pense que peut-être je fais une overdose de lecture commune, parce que quand même avec Pauline, même si j'adore faire des lectures communes avec elle, on n'a pas arrêté cet été, on en a fait une par semaine. Donc je lisais quand même pour moi à côté, mais c'est vrai que j'avais toujours ces deadlines à respecter et tout. Et cette semaine du coup j'avais Le Dernier Magicien plus Les Brumes de Sandre Lune avec Pauline. Les Brumes ça s'est pas très bien passé parce que je vous ai expliqué hier, j'ai pas trop aimé. Et du coup, je pense que ouais, cette semaine, j'ai fait une overdose. En plus, il fait pas super bon. C'est un peu la semaine de la loose. Je sais pas pourquoi. Je suis pas très très motivée et très en forme moralement cette semaine. Alors qu'en soi, il s'est rien passé. Mais bon, ça arrive. Donc, je pense que je vais pas me forcer à le lire. Et je vais juste, du coup, le laisser de côté. J'aimerais quand même bien le lire très rapidement parce que je sens que si je le lis pas rapidement, ça va rester dans ma pile à lire pendant trop longtemps parce que je vais me faire un blocage. Donc je le reprendrai bien la semaine prochaine. Et du coup là, pour cette fin de semaine, les 2 jours qui me restent, parce que comme je vous disais, ça, le week-end je saurais sûrement pas lire, j'ai juste envie de me poser et de lire quelque chose que j'ai choisi, quelque chose qui me fait envie. Un livre pas trop long ni rien, et donc comme je vous ai montré hier, je vais vraiment commencer celui-ci. J'espère qu'il va me plaire clairement, et il fait 440 pages, donc il y a vraiment moyen que je le termine aujourd'hui si ça se lit vite et tout. C'est des thrillers donc ça se lit relativement vite, donc voilà, je pense que ça va me faire du bien de sortir aussi un peu de la SFFF, de lire juste un livre pour moi. Techniquement, là, pour le coup, j'ai plus de lecture commune prévue. Enfin, si, j'en ai, mais je pense que... en fait, les lectures communes que j'ai prévues, c'est pour le challenge, du coup, des Livromaniacs qui commence le 1er septembre. C'est-à-dire dans... mercredi prochain.
Mais je pense honnêtement que la semaine prochaine, je vais juste lire pour moi. Et ne pas me prévoir de lecture commune, vraiment lire ce que j'ai envie de lire à mon rythme et tout et tout. Parce que ça me fait du bien, et voilà, j'ai aussi envie, même si j'adore faire des lectures communes, à un moment, c'est... Vous savez, toujours avoir des deadlines et tout, à la force, c'est un peu frustrant parfois. Pour ce qui est des vlogs, je m'étais dit que je ferais donc les 2 mois de vacances, donc techniquement celui-ci devrait être le dernier, étant donné que le 1er septembre, donc la rentrée, c'est la semaine prochaine. Mais ma rentrée officielle de cours, c'est le 25 septembre, le samedi, ce qui fait que je peux potentiellement faire encore 1 mois de vlog. Voilà. Je vais voir si je suis motivée ou pas. Je pense que oui, parce que... Je pense que oui, je vais quand même le faire, parce que j'ai bien aimé, que c'était chouette et tout. Et puis, voilà. Surtout que pendant l'année, je sais pas du tout comment ça va se passer, point de vue de vidéo, étant donné que j'ai des cours du soir, j'aurai cours le samedi. Si je travaille de chez moi, je vais avoir des stages, je vais avoir des travaux à rendre. Enfin bref, ça va être une organisation toute autre et toute nouvelle. Donc voilà, je préfère me dire que je vais encore faire quelques vidéos d'ici la rentrée et après on verra. Donc voilà, pour votre plus grand plaisir, les Romiries d'été continueront 1 mois supplémentaire. Sur ce, je vous laisse, je vais aller lire, commencer mon petit livre ici et je vous retrouve plus tard quand j'aurai avancé. Hello, je vous retrouve, on est toujours jeudi 26, il va être 22h et je vous retrouve pour vous parler de sept mensonges de Elisabeth Kay, édité chez Pocket, que j'ai donc lu et terminé aujourd'hui. Je vous ai pas retrouvé avant parce que du coup j'ai lu toute la journée, enfin toute l'après-midi plutôt, puis après je suis partie voir ma mère et ma sœur, bref, et donc je viens de rentrer. Alors déjà, comment vous dire que quand ma sœur est venue me chercher, il me restait 30 pages, 30 pages à lire, c'était insoutenable. Et je regrette dans un sens de d'avoir eu cette grosse pause parce que je viens de le finir à l'instant. En fait, j'ai pas su lire chez ma mère. Et j'ai regrette, entre guillemets, d'avoir eu cette grosse pause parce que du coup, ça m'a un petit peu cassé dans le rythme de la lecture. Mais ça m'a pas du tout dérangé pour l'histoire en elle-même. J'ai beaucoup aimé, donc je vais vous en parler tout de suite. Dans Sept mensonges, on va suivre du coup une jeune femme qui s'appelle Jane et une autre jeune femme qui s'appelle Marnie. Et ces deux femmes sont amies depuis leur plus tendre enfance. Donc elles se connaissent depuis plus de 20 ans, on va dire, un truc comme ça. Et toutes les deux vont subir des drames familiaux, des drames, enfin voilà, des drames dans leur vie. Et donc voilà, il va se passer des choses assez dramatiques, je me répète. Mais elles vont toujours être là l'une pour l'autre. Mais en même temps, il va y avoir des moments où, bien évidemment, enfin dans une amitié, c'est toujours comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on est fort ensemble. Puis après, il y a des moments où la vie fait que on s'éloigne un petit peu, bref. Et en fait, toute l'histoire va être basée sur les mensonges de Jane à Marnie. Et donc, on va commencer par... Donc, il y a 7 mensonges en tout qui vont rythmer le livre. Et en fait, on va démarrer du plus petit mensonge jusqu'au dernier, qui va être le plus gros. Et c'est toujours crescendo. Et en fait, c'est génial parce que l'autrice... Alors, en soi, l'histoire en elle-même... Je pense que c'est une histoire qui pourrait être vue et revue. On est dans des relations malsaines, toxiques même. Voilà, c'est le gros point du livre. Donc ça peut être vu et revu, mais ce que je trouve génial, c'est qu'avec ce système des 7 mensonges, c'est que l'autrice, elle arrive tellement à mettre un suspense, à tellement mettre une tension et une intrigue forte. Que ben on a juste envie de tourner les pages parce que on veut savoir ce qu'est le gros drame, on veut savoir ce que c'est les 7 mensonges et où ça va mener. On veut plonger avec Jane dans ses tourments et ses mensonges et surtout on veut voir où l'autrice va nous mener parce que finalement, dès qu'on commence à lire, on sait pas du tout où on va, on sait pas du tout sur quoi ça va, enfin, on sait pas trop ce que ça va être la fin. C'est pas une enquête, par exemple, comme dans d'autres thrillers. Là, c'est vraiment un thriller psychologique et on va suivre du coup les émotions, les sentiments, la vie de Jane, ses drames, ses peines, ses joies, etc. Et parmi tout ça, sa relation avec Marnie,
qui est, comme je le disais, très toxique. Et du coup, il n'y a pas vraiment de but en soi. Comme par exemple, c'est pas qu'il y a un meurtre au début et qu'on veut essayer de retrouver le meurtrier avec une enquête et tout. Mais là, on sent en fait, il y a cette tension permanente. On sent qu'il s'est passé quelque chose parce que du coup, Jane raconte son histoire à quelqu'un. Déjà, on ne sait même pas qui est cette personne à qui elle le raconte. On sent que cette personne est importante dans l'histoire, mais on ne sait pas qui. Moi, j'ai pas réussi à deviner. Hein. Jusqu'à la fin, je savais pas. Et vraiment, ça nous mène en bateau parce que plus on avance dans l'histoire, plus il se passe des choses. Et puis on se dit, ouais, je suis sûre que c'est ça qui va arriver à la fin. Je suis sûre qu'il va y avoir ça. Et en fait, c'était drôle parce que Audrey, du coup, celle avec qui j'ai lu Troupe 52, a lu ce livre avant moi. Et du coup, elle voulait connaître mes réactions. Donc, à chaque fois, je lui envoyais mes théories, qui se sont avérées toutes fausses, d'ailleurs. Et elle rigolait de fou parce que, en vrai, je partais loin, mais j'arrivais tellement pas à savoir où l'autrice m'emmenait que, vraiment, à chaque fois qu'il se passait quelque chose, j'étais là, ah, il s'est passé ça, mais donc, du coup, ça veut dire qu'il va se passer ça après, donc, ça va être ça le drame. Enfin, vraiment, je partais dans des délires. Et en vrai, j'ai été surprise parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'imaginais. Et ça, j'adore. En soi, la fin, pourrait ne pas être spectaculaire, mais je l'ai pas vu venir. C'est ça, et c'est ça qui a fait tout le livre, c'est que du début à la fin, je n'ai rien vu venir. Pourtant, je vous dis, c'est pas horrible ou c'est pas inimaginable tout ce qui s'est passé. Ça peut être très vite deviné, mais vraiment, j'ai rien vu venir. J'étais surprise et tout, et du coup, bah écoutez, j'ai trop kiffé et ça m'a fait trop plaisir de lire ça. Enfin, je l'ai lu quand même en une journée. Donc voilà, si vous aimez les thrillers psychologiques, attention, il se passe pas grand-chose, hein, vraiment, je vous le dis, c'est juste, on suit Jane, on suit sa vie, etc. Ses malheurs, ses joies, ses peines, comme je disais. Donc il se passe pas grand-chose en soi, faut aimer le genre. Mais je me suis pas ennuyée une seule seconde parce que j'étais prise du début jusqu'à la fin dans cette tension, dans ce suspense intense et j'avais juste envie de connaître la fin. Et j'ai pas été déçue. Donc écoutez, c'est pas un coup de cœur, mais c'était une très très bonne lecture que je vous recommande si vous aimez les thrillers dans le genre. Vraiment, c'était très 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 bon. Et là, ça m'a juste trop fait du bien. Bah, là, j'ai encore envie de lire. Donc la question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de lire ? Parce que j'ai envie de lire un truc petit. Mais je sais pas quoi. Et je me demande si je commencerai pas une bitlit. Mais dans un sens, je sais pas si c'est une bonne idée que je commence une bitlit. Ou alors je me tape un autre thriller, mais j'ai peur que thriller plus thriller, ça fasse trop de comparaisons. Je ne sais point, je réfléchis. Je vais réfléchir à ma lecture et je vous retrouve juste après quand j'aurai décidé. Bon, on est une heure plus tard. Après moult réflexions, après avoir discuté avec Audrey, une copine, bah, du coup je vous en ai déjà parlé juste avant, pour savoir quelle serait ma prochaine lecture, parce que je pense que on est tous passés par là, c'est-à-dire finir une lecture, avoir envie de lire, mais ne pas savoir quoi lire à cause des pales qui sont immenses. Alors c'est super bien d'avoir des grosses pales parce que du coup on a le choix, mais parfois on a un petit peu trop le choix. Et là j'étais vraiment particulièrement chiante parce que j'avais pas envie de ça, j'avais pas envie de ci, enfin bref, j'ai fini par trouver grâce à Audrey. Je vais lire Max de Sarah Cohen Scully, publié chez Pulp Fiction. Alors, c'est un classique hein, de livre. Je pense que beaucoup de gens l'ont lu, enfin une grosse majorité, je crois, ou en tout cas le connaissent. Eh bien, je ne l'ai jamais lu, ce qui est assez particulier étant donné que je lis beaucoup de livres sur la guerre 40-45. Hello, oh là, ma tête, ce sera pas la même tout à l'heure, hein. Purée, n'importe quoi ici. Je vous retrouve, du coup, on est le vendredi 27, il va être 10h, je suis levée depuis, je saurais même pas vous dire, depuis 8h je crois, mais j'étais déjà réveillée à 6h à cause de Zozo. Je me suis octroyé un petit moment lecture du coup avec Max, j'ai lu 5 chapitres, donc 75 pages. Écoutez, c'est assez prenant, je vais pas dire si j'aime bien ou pas parce que c'est le début, mais en tout cas je sens que ça va être très intéressant et je trouve que c'est plutôt pas mal écrit, donc voilà, à voir par la suite. Du coup c'est un peu sur, enfin c'est pas un peu, c'est sur le thème des Lebensborn. Si vous connaissez, ce sont des expériences qui ont été menées pendant la guerre 40-45 et même un peu avant pour créer les
les parfaits petits nazis, on va dire. C'est-à-dire choisir une femme et un homme qui ont toutes les caractéristiques qu'il faut pour que leurs enfants soient de vrais petits nazis. Et du coup, il y a énormément... Et c'est une histoire vraie. Et je sais pas exactement combien d'enfants ont été créés dans ce programme, mais en tout cas il y en a eu énormément. Et du coup là on suit Max qui est un de ses enfants, et donc il y a toute cette idéologie, etc. Et en fait je sens que ça va être une lecture assez compliquée, parce que du coup Max il a cette idéologie nazie parce que il a été créé entre guillemets pour ça, il vit là-dedans, et en fait là il vient de naître, donc on a ses pensées en tant que bébé, mais même en tant que bébé c'est un petit con. donc voilà, et à voir ce que ça va donner. Je trouve que c'est très intéressant, mais je sens que ça va être assez dur. Je vais me stopper là pour le moment, parce que là je vais aller me préparer pour aller chez le coiffeur. J'ai rendez-vous vers 10h45. À mon avis je sortirai pas de là avant j'espère sortir de là pour midi et demi grand max, parce que en soi je fais pas grand chose, je vais juste recouper mes cheveux et leur donner une forme un petit peu plus potable, on va dire. Je vous retrouve, il est 20h30, j'ai atteint la première partie, j'avance tellement pas vite. Franchement, si j'arrive à le terminer pour demain, ce serait incroyable. J'espère vraiment, mais... J'ai terminé, du coup, la première partie. Là, je vais commencer la deuxième. La première partie, elle faisait donc 100 pages à peu près. J'avance tellement pas, c'est abusé. Mais en fait, c'est pas parce que j'aime pas. C'est juste que c'est quand même une lecture assez compliquée. Il y a des passages qui sont durs. Voilà, le thème, il est pas facile, quoi. Et donc voilà, c'est parfois j'ai besoin d'un peu faire une pause et tout. Et puis j'ai été interrompue, on va dire, parce qu'on a lancé le challenge, enfin pas le challenge, mais on a lancé le Discord entre guillemets du challenge des Livromaniacs. Du coup j'étais un peu prise par ça parce que je voulais parler avec les autres aussi. Puis j'ai mangé, enfin bref. Et là j'ai une amie qui va venir boire un verre chez moi quand elle a fini de travailler, donc vers 21h. Donc je vais lire le temps qu'elle soit là, et après je continuerai quand elle sera partie. J'espère que j'aurai quand même l'occasion de le terminer pour demain, parce que sinon ça va être compliqué. Mais je vais essayer d'atteindre au moins la troisième partie aujourd'hui, donc ça me fait 150 pages à lire. Franchement, il y a grave moyen. J'aurai atteint la moitié du livre. Du coup, j'aime bien, comme je vous dis, c'est compliqué, mais je peux pas trop en parler étant donné que j'ai lu que 120 pages, 140, je sais plus, bref. On va dire 130 pages pour le moment. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est intéressant. Ça m'apprend plein de choses. Et à voir par la suite comment ça va être et comment ça va finir tout ça. Du coup, je vous retrouve plus tard. Hello, on est samedi 28 août et il est midi 15. Je vous retrouve avant de manger, d'aller me préparer pour le petit mariage de cet après-midi. Mais je voulais juste vous dire que ce matin, j'ai terminé Max. Enfin, je l'ai terminé genre à l'instant. Et écoutez, je suis contente de l'avoir lu parce que, comme je vous disais, quand je vous l'ai présenté, c'est quand même un classique. Donc, je pense qu'il est... Enfin voilà, c'était chouette de le lire pour savoir de quoi ça parlait. Je l'ai trouvé super intéressant parce qu'il aborde un thème que j'ai pas vu passer. Pourtant, j'en ai lu quand même pas mal des livres sur ce thème. Mais c'est vrai que tout ce qui touche au Lebensborn, etc., je l'ai pas vu. Enfin, j'avais jamais lu de livre qui en parlait. J'étais plus dans les témoignages de survivants ou de personnes qui ont été, enfin, ouais, de survivants, de personnes qui ont été dans les camps. Plutôt que, mange pas mon t-shirt de mariage, hein. Plutôt que voilà, ce genre d'expérience, alors que, enfin oui, il n'y a pas eu que, c'était énorme hein, bien sûr, mais il n'y a pas eu que les camps de concentration, les camps d'extermination, il y a eu beaucoup beaucoup d'autres choses, ne fût-ce que les expériences médicales, etc., dont on ne parle pas non plus énormément, voilà, il y a eu tellement de points incroyables, dans le mauvais sens, dans cette guerre, que, je pense que c'est... impossible peut-être de parler de tout, j'en sais rien, mais voilà, c'était très intéressant de voir ça. Après, ça reste quand même quelque chose de très romancé. Maintenant, je sais, je trouve, j'ai l'impression que l'autrice, elle s'est quand même pas mal renseignée.
Il y a pas mal de points politiques, de points très explicatifs sur ce qu'est le Lebensborn, sur comment les gens vivaient à cette époque, sur enfin plein de choses. On a aussi le moment où les Russes envahissent l'Allemagne une fois que Hitler est mort. Et donc on a aussi comment ça se passait à l'époque. En fait, c'est intéressant d'avoir du coup le point de vue des Allemands parce que on a toujours le point de vue des victimes, que ce soit, enfin, hors Allemagne. Mais il faut pas oublier non plus que dans les Allemands, tous n'étaient pas forcément d'accord avec ce qui se passait. Et beaucoup, beaucoup de citoyens ont juste subi cette guerre et tout ce qui se passait. Et que certains ont vécu aussi des choses assez terribles. Enfin, je veux dire, justement, tout ce côté Lebensborn, ça nous montre aussi que bah, certaines familles allemandes se voyaient déchirées parce qu'on leur prenait leurs enfants pour qu'ils aillent bah, dans les écoles qui formaient la jeunesse hitlérienne, etc. Et que ça, enfin, pour qu'ils deviennent des soldats dès leur plus tendre enfance. Donc, enfin voilà, ces enfants allemands, ils n'ont pas eu une vie facile. Enfin, facile. Ils n'ont pas eu une vie, enfin, une enfance normale, on va dire. Et ses parents, même si c'était pour l'idéologie, peut-être que certains n'étaient pas forcément d'accord avec ça, mais ils pouvaient pas le dire parce que sinon c'était fusillade. Enfin voilà, il y a plein de points qui sont abordés dans ce livre et qui sont assez intéressants. Et j'ai bien aimé l'écriture qui est fluide. Enfin, je l'ai lu très rapidement. J'ai été plongée dedans directement. On s'attache pas vraiment au personnage principal qui est Max parce qu'il est assez détestable dans le sens où il est formaté. Enfin, c'est un enfant qui vient du coup de Lebensborn et c'est un enfant Lebensborn et du coup, bah forcément, dès son plus jeune âge, on le suit dès qu'il naît. Il est dans ses idées hitlériennes. Il est dans ses idées. Idéologie nazie et forcément c'est détestable, mais on n'arrive pas non plus à lui en vouloir parce que il répète juste ce qu'on lui a toujours dit, on lui répète ce qu'on lui a inculqué, lui il a grandi comme ça, donc est-ce qu'il est vraiment fautif de penser tout ça étant donné que il a jamais connu autre chose, il a pas de parents et depuis, je vous dis, depuis sa plus tendre enfance, ben on lui inculque que les juifs c'est des mauvaises personnes, on lui inculque que la race aryenne c'est la meilleure, etc. Donc voilà, on peut pas s'attacher à lui à cause de ça, mais en même temps on peut pas non plus le détester et le blâmer parce que ben c'est pas de sa faute entre guillemets, c'est juste le produit de ce que les adultes de cette époque ont fait de lui. Enfin voilà, c'est très triste. C'est quand même un livre assez compliqué à lire parce qu'il y a des scènes qui sont crues. L'autrice, elle rentre pas dans les détails glauques, etc., mais elle mâche pas ses mots. Quand il y a des femmes qui se font violer, c'est dit. Quand il y a des meurtres juste gratuits, c'est dit. Quand il y a des moments de tabassage, on va dire, c'est dit aussi. Sans rentrer dans les détails. Mais les mots sont dits, les mots sont là, et c'est surtout que comme on est du point de vue de Max, qui est un jeune enfant. C'est d'autant plus percutant, je trouve, parce que quand il explique, par exemple, que certaines femmes se font violer et qu'il le sait, qu'il a compris ce que c'était, mais en même temps, on se doute qu'il ne comprend pas trop la portée de ce qu'est un viol, c'est percutant parce que c'est dit d'une façon enfantine et en même temps très criante de vérité. Enfin, voilà. Du coup, j'ai trouvé que ce livre était très, très dur à lire parfois. Très fort, très explicatif. Ça me donne envie de me renseigner un peu plus sur bah, cette situation des Lebensborn et tout ce qui était à côté. Et vraiment, je suis contente de l'avoir lu. Donc, si tout ce qui touche à la guerre 40-45 vous intéresse et que vous n'avez toujours pas lu Max, bah, foncez parce que franchement, il en vaut vraiment la peine. Voilà. Donc, je pense que je vais clôturer le vlog de cette semaine ici. Parce que je vais pas commencer une nouvelle lecture et demain, enfin je suppose qu'on va rentrer assez tard, donc demain on va sûrement dormir toute la journée et je commencerai sûrement, si je commence un livre, en tout cas je le commencerai tard le dimanche, donc ça sert à rien de vous reprendre juste pour vous dire ah j'ai commencé ce livre, voilà, je vais clôturer le vlog ici, comme ça je le termine sur un livre terminé et du coup bah je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bisous!